Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On est reparti pour un vlog, nous sommes dimanche, je ne sais pas combien, je ne sais jamais la date. Dimanche 16 avril 2023, j'ouvre cette nouvelle vidéo. J'ai sorti donc mon vlog hier samedi, comme dit, j'ai changé la date de sortie. Et je pense que c'est mieux parce que j'ai vu qu'aujourd'hui il y a déjà Lo Demoiselle et See You Laters qui ont sorti leur vidéo. Voilà, si j'avais rajouté moi-même une vidéo d'une heure et demie, enfin ça fait beaucoup trop, donc je pense que c'est un peu plus étalonné. Le vendredi j'ai vu il y avait Mathilde et Lollipop, je crois, samedi il y a eu Lysandre et moi. Alors pour les gens que je suis évidemment, hein, parce qu'il n'y a pas que nous sur Terre, c'est un petit peu égocentrique tout ça. Et voilà, c'est un peu plus réparti. Par contre c'est pas sorti à 8h du matin comme je vous avais dit, parce que la faute à YouTube, vendredi soir, rien à faire, YouTube ne voulait pas importer ma vidéo au-delà de 85%. Du coup, j'ai dû recommencer samedi matin. Heureusement que j'ai la fibre et que ça va assez vite, mais pour le coup, ça va assez vite. Ça prend quand même une heure en tout à peu près, donc j'ai recommencé samedi matin. Et c'était en ligne vers 10h, je crois. C'est très bien. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je sais qu'il y a quelques nouveaux ici, j'ai quelques commentaires. Je sais que je suis hyper à la bourre. Dans les commentaires, je sais vraiment, je vous lis, je suis désolée, je vais répondre, promis, c'est comme les MP sur Insta, si c'est urgent ce que vous me demandez, relancez-moi, parce que, voilà, là je plane un peu sur ces trucs-là, mais je sais qu'il y a des nouvelles personnes, puisque je lis des commentaires de « je viens de découvrir ta chaîne », tout ça, donc bienvenue, merci pour vos mots doux, ça me touche beaucoup, re-bienvenue à tous ceux qui viennent régulièrement, ça me fait très plaisir, après toutes ces années sur YouTube et ces diverses variations... Variation éditoriale, voilà, ça me fait plaisir. Donc on démarre un nouveau vlog. La semaine dernière, j'ai démarré le vlog avec un pain d'huile sur la tête. Aujourd'hui, je démarre le vlog avec les cheveux propres, mais non coiffés. Voilà, vous aimez bien mon côté nature peinture. De toute façon, je vais pas me changer juste pour vous. On est sur du no make-up. Je crois que ça fait des semaines que vous m'avez vu, que vous ne m'avez pas vu avec du make-up. Déjà, je me maquille très rarement. Alors, le teint, absolument jamais. Je ne supporte pas d'avoir un truc sur le teint, c'est sensoriellement très compliqué. Après, j'aime bien le mascara, tout ça, mais en ce moment, j'ai des yeux qui pleurent tellement que c'est même pas la peine. Et du coup, je reviens aux cheveux. Je me suis lavé les cheveux hier soir, j'ai fait un bain d'huile, puis ma routine classique. J'ai laissé ces chaleurs libres en regardant The Voice. Vous savez que j'aime bien regarder The Voice le samedi soir. Et je suis allée me coucher, mes cheveux étaient 95% secs. J'ai remonté ça, parce qu'ils sont quand même longs, avec une pince pour dormir, et voilà, ce matin j'ai enlevé la pince, et ça donne ça, je n'ai pas coiffé mes cheveux parce que je n'avais pas envie, voilà. Alors ils sont pas particulièrement beaucoup ondulés parce que j'ai rien fait, j'ai fait aucun geste de coiffage, rien, je les ai lavés, je les ai démêlés, avec l'après-shampoing sous la douche, c'est tout, j'ai rien fait. Et ça me va très bien parce qu'ils sont en bonne forme et qu'ils sont doux et que c'est cool. C'est cool. Après, j'avais fait ma raie vite fait de l'autre côté ce matin et en regardant dans la glace, en fait, c'est là que je commence à avoir toute une rangée de cheveux blancs, voire une mèche blanc-gris. Et j'ai dit non, je veux pas montrer ça. Donc pouf, j'ai rabattu ma raie comme je la fais habituellement. Et là, il n'y a pas de cheveux blancs encore. Donc je croise les doigts pour que ça dure le plus longtemps possible. Puisque pour ceux qui me demandent régulièrement, ça c'est ma couleur naturelle. C'est ma couleur naturelle. Je fais de temps en temps des masques aux poudres, ce qui peut donner de légères variations un peu rousses. Mais je ne me colore pas les cheveux. Je ne me suis jamais coloré les cheveux faux. J'ai fait quelques mèches il y a très très longtemps et un henné blond il y a très longtemps aussi qui a foiré et qui m'a rendu auburn. Mais à part ça, voilà, c'est ma couleur naturelle de cheveux. Donc voilà. Bref, bienvenue ici. Je sais même plus ce que je devais dire, je pars dans tous les sens, ça commence bien. Je suis ravie de vous accueillir dans mon univers naturel parce que de toute façon, je ne sais pas être autrement. Donc, restons comme ça puisque visiblement, ça vous plaît. Je sais que je suis très peu active sur Instagram, franchement c'est comme ça, si vous voulez savoir le pourquoi du comment, je vous invite à lire le post qui s'appelle « Et la suite » que j'ai écrit sur Insta, où je raconte un peu des trucs, faut avoir envie de lire, hein. C'est 10 slides de texte, donc si vous n'avez pas envie de lire, n'y allez pas, c'est comme ça, voilà, j'avais dit que je ferais un petit reel sur les whips, peut-être que je vais faire ça aujourd'hui si je me motive. Pas sûr. Je porte mon ranunculus en mohair de Midori Heroes que j'ai fait avec un seul brin de mohair
De la Drops de Kit Silk, c'est le coloris framboise, je crois. J'aime beaucoup ce coloris framboise. Et la Drops, on entend souvent dire qu'elle pique, qu'elle est désagréable, tout ça. Franchement, elle ne me pique pas du tout. Je trouve ça extrêmement doux. Je n'ai jamais tricoté d'autres mohairs que de la Drops. J'ai tricoté de l'Alpaga ou du Suri, et là forcément on est sur un autre level de douceur, mais elle ne me pique pas du tout, moi je la trouve très douce, vraiment, enfin aucun picotement. Alors je me doute que ça dépend aussi des coloris, des arrivages, parce que forcément chez Drops, ils produisent tellement que ça ne vient pas de la même filature, ni tout du même élevage évidemment, donc voilà, il doit y avoir des lots plus ou moins doux, c'est certain, mais alors moi le mien là, nickel, hyper doux, et je ne l'ai pas fait en aiguille 6 comme préconisé par le patron, je crois que j'ai fait en aiguille 4, parce que je voulais un tissu un peu translucide, c'est le cas, mais pas du tout aussi déjaugé qu'en aiguille 6, et ça me convient très bien, et j'avais dit que j'en ferais un autre, j'en avais commencé un autre en aiguille 5 je crois, et ça ne me plaisait pas, le tissu ne me plaisait pas, j'ai tout défait, mais je veux refaire un autre, je ne dis pas que... voilà. Je voudrais en refaire un autre un petit, tout petit peu moins large, mais sinon manche 3 quarts et tout, j'adore. Bref, je venais vous voir aujourd'hui pour vous parler de mes objectifs tricot de la semaine, puisqu'on est dimanche, oui, avec ma non-coiffure. Oui, écoutez, hein, c'est bien pour un dimanche une non-coiffure aussi. Donc, objectif de la semaine, avancer sur le Top Gatsby que je teste pour Pinyan Knit. J'ai encore un peu de temps, c'est un test, mais... je voudrais l'avancer parce que là j'ai fini, je vous avais montré mon jersey en rond au kilomètre, maintenant c'est de la dentelle, c'est un petit peu plus long. Après, au niveau quantité de laine à tricoter, il m'en reste beaucoup moins que ce que j'ai déjà fait. Mais peut-être qu'au niveau temps de tricot, ça sera équivalent parce que c'est de la dentelle. J'ai quasiment pas avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Je vous l'ai montré, je crois que je venais de faire le premier rang de dentelle et j'ai rajouté 2 rangs de dentelle depuis... depuis vendredi, donc rien de significatif, toujours avec mes 72 marqueurs. Voilà, bon, on voit pas le motif pour l'instant, hein. j'ai fait 3 rangs de dentelle. On ne voit rien, mais j'ai toujours ma petite interrogation sur le fait que ça m'a l'air un petit peu large. Je trouve ça bizarre, parce que normalement, je suis censée avoir un petit peu d'aisance négative, et j'avais le bon échantillon. Je sais pas. Ou alors c'est moi qui me rends pas compte et une fois fini, ça ira. Alors la basque, évidemment que la basque est large, mais sur la partie dentelle, normalement, je suis censée avoir un petit peu d'aisance négative et je me demande carrément si je pourrais pas avoir un motif de dentelle en moins, quoi, pour avoir vraiment de l'aisance négative. Je sais pas. Bon, je vais le continuer comme ça, on verra bien. Je fais ça toujours en bambou soft de chez Shripièce. C'est une fibre très sèche, je vous avais dit. Enfin, très sèche. Assez sèche. Coton bambou. Que personnellement j'aime bien tricoter, ma seule crainte c'est comme tout ce qui contient du bambou, j'espère que ça ne va pas méga se détendre au lavage, parce que le bambou ça se détend beaucoup, quand c'est couplé avec autre chose moins mais quand même un peu, on va voir, j'aime beaucoup cette couleur, j'ai hâte de voir la suite. Donc mon objectif sur ce top cette semaine c'est d'avancer, je n'ai pas d'objectif précis, si je pouvais finir la dentelle, oui, c'est faisable, parce qu'en plus j'ai prévu de faire moins de hauteur de dentelle que préconisé, puisque j'ai fait une basque plus grande, je vous avais déjà tout expliqué. Peut-être finir la dentelle et démarrer les bonnets, puisque c'est un débardeur après, à voir. Ensuite, deuxième en cours sur mes aiguilles, qui lui non plus n'a pas bougé d'un iota, c'est la Bagu Pouch de Béatrice Mas, donc la pochette Bagu, que je fais avec les restes de mon gilet risp avec de la Friends Wool de chez Hobby. Et j'ai pas fait un rang de plus depuis que je vous l'ai montré. Ah oui, alors attendez, c'est tout tordu. Voilà. J'en suis toujours ici, dans la dentelle. Et mon objectif de cette semaine, ce serait de au moins finir la face extérieure en dentelle. Puisque vous savez, la pochette Bagu est composée de 2 faces. Une face extérieure, une face intérieure. L'extérieur est en dentelle. L'intérieur est en jersey. De finir la face extérieure en dentelle, au moins ce serait fait. Je ne suis toujours pas convaincue qu'avoir fait ça en déca, ce soit une très grande idée, parce que la pochette va être impossible à fermer. Bref, bon, au moins, ça aurait été un petit challenge technique, et j'aurais appris des nouveaux trucs. Enfin, oui, j'aurais appris des nouvelles techniques, donc... Donc voilà, ça va avancer tranquille. Pas trop d'objectifs là-dessus. Et ce sur quoi j'ai avancé depuis...
la dernière fois que je suis venue vous voir, c'est mon top Télesto et je l'ai fini. Alors, il me reste quelques fils à rentrer. Là, il y a des grands, grands fils. Tac. Il est fini. Il est fini. Je suis trop contente. Je vous avais dit, donc, c'est le top que j'ai testé pour Yarnflakes. Donc, Audrey Borrego, il sort début mai. Il sort dans le même patron. Vous aurez la version pull et la version t-shirt avec deux encolures un peu différentes, je crois. Moi, j'ai fait la version t-shirt. Évidemment, je vous dis, moi, je tricote plus de pulls, là. Là, je suis dans ma période à fond t-shirt. Il me faudrait des gilets en fingering, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme pour l'instant. Bref, donc, on a de jolies épaules en texture, enfin en dentelle, mais dentelle texturée puisqu'il y a de la bobble et des my torse. J'ai bloqué mes panneaux d'épaule puisque on fait d'abord les deux panneaux d'épaule tout seul et je ne regrette pas du tout parce que ça les a bien aplatis, ça leur a donné la taille qu'il faut et c'est absolument merveilleux. Et ensuite on a le choix, donc ensuite on fait le col, enfin on fait le dos, on raccroche le demi-devant droit, le demi-devant gauche, le dos. Moi j'ai fait le col pour tout de suite le voir, j'avais peur qu'il soit trop serré, j'ai essayé hier soir, il est absolument parfait. Et ensuite on a le choix de faire le corps droit ou un peu évasé, moi je vous avais dit que je voulais faire un peu évasé version tunique. J'ai évasé, mais pas trop, d'ailleurs vous verrez rien je pense là, ça paraît gigantesque comme ça. Alors il est large, hein. C'est pas un top qui a de l'aisance négative. J'ai évasé mais pas trop et j'ai fait une version t-shirt long presque tunique puisque j'ai fait 45 cm sous les emmanchures, ce qui peut paraître énorme pour beaucoup d'entre vous, mais au final moi ça m'arrive presque à mi-fesse, voilà, donc c'est pas non plus extrêmement long quoi, pour moi une tunique ça peut arriver sous les fesses, là il m'arrive presque à mi-fesse donc c'est très bien. J'ai fait quelques rangs de côtes sans faire de diminution, vous savez que moi j'aime bien faire des diminutions avant les côtes quand je veux que ça resserre, là je ne voulais pas que ça resserre, même si on voit que les côtes torse ça resserre un peu, je voulais juste que ça soit dans la continuité, que ce soit joli. J'ai fait un rabat tubulaire à l'aiguille, et voilà, et ma foi je suis très contente. J'ai hâte de le laver, il va falloir que je le mesure avant de le laver parce que je l'ai essayé, il tombe parfaitement bien. Alors attendez, je peux peut-être vous l'essayer là d'ailleurs. Attendez, pendant que je vous discute, je disais, il tombe parfaitement bien. Et donc je ne veux pas qu'il s'agrandisse parce qu'il est déjà assez large à mon goût. Et donc je ne veux pas qu'il s'agrandisse. Donc je vais le laver. Demain j'ai prévu de faire. Enfin ce soir plutôt, et sécher demain. Une lessive de tricot, donc il va aller prendre son bain aussi, et il va se mettre bien je pense, parce que ça fait un tout petit peu de pli là, mais c'est normal parce que c'est des épaules comme ça, donc enfin il y a c'est un t-shirt, hein, donc il y a un peu de largeur ici, qui est normal. Ah, ça faisait pas des plis comme ça hier soir quand je l'essayais, mais je pense qu'il va se mettre bien. Le col va un peu se truquer, ça va un peu tomber là, vous voyez, ça va se mettre bien. Vous voyez, le col, il est absolument parfait, j'aime trop. On est sur un V que moi j'aurais pu apprécier plus profond, mais au final, comme ça, il est très bien. Que dire? Ah oui, je l'ai fait en fil coton 3 de chez Fildart. Et c'est un coton que j'aime beaucoup. Je n'ai pas de. J'ai plus d'étiquette là parce que j'ai rangé. J'ai rangé mes restes. C'est un coton qui est très doux. Et d'ailleurs, je me suis posé une question sur l'étiquette. C'est marqué avec aloe vera. Alors, j'ai cherché sur la compo. Il y a marqué nulle part aloe vera. Mais peut-être que, je sais pas, c'est enduit ou ils ont incrusté de l'aloe vera. Je ne sais pas. Ce qui fait que ça le rend très doux. Et je vous ai dit, contrairement à la Bamboo Soft de Shripies, ça ne m'assèche pas du tout les mains. C'est un coton qui est vraiment très très doux. Par contre, ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Je trouve qu'on voit beaucoup la démarcation entre... le moment où je tricote en aller-retour et le moment où je suis passée en rond. D'habitude, ça se voit pas, peu. Là, c'est peut-être parce que c'est du coton que ça se voit. Je sais pas si vous le verrez. Si je pense que ça se voit. Là, j'étais en aller-retour. Là, je suis passée en rond. On voit la différence. J'aime pas trop. D'habitude, j'ai pas de différence de tension ou pas plus que ça. Ou ça se voit moins. Là, comme c'est du coton, que c'est du coup une fibre qui n'est absolument pas extensible... Peut-être que c'est pour ça que ça se voit. En attendant, regardez-moi ces détails. Tac. Ah oui, ah oui, ça va se mettre bien aussi. C'est ça au blocage qui va se mettre bien. Et du coup, bah ah oui, vous verrez même pas le bout parce que je suis trop près, mais
Je peux pas vous montrer. Enfin, il tombe. Il tombe très bien, quoi. Il tombe très bien. J'aime beaucoup cette couleur. Et c'est ce que je disais donc à Audrey dans notre fil de test sur Ravelry. C'est que j'ai déjà envie d'en faire un deuxième, en vérité. Et peut-être que je ferai la taille en dessous pour qu'il soit un petit peu moins large, un tout petit peu plus près du corps. Je n'exclus pas du tout de m'en faire un deuxième cet été. Voilà. Le Bowman l'an dernier, j'en ai fait deux parce que je l'aimais beaucoup. Bah là, on est sur un top de la même forme. Comment vous dire que j'adore ? Ouais, vraiment, il est très beau. Hein. Il sera encore plus beau bloqué parce que là, les manches, elles sont un peu mal mises. La finition des manches, on voit pas bien parce que ça roulotte un petit peu, mais ça va bien se mettre. Ouais, franchement, j'adore. Et j'ai vu une testeuse qui disait qu'elle allait le refaire avec de la belle de chez Drops. De la belle de chez Drops, qui est un fil un tout petit peu plus épais que ce que préconise Audrey. Et Audrey disait qu'a priori, ça devrait parfaitement s'adapter, même si on n'a pas vraiment le bon échantillon. Et franchement, c'est une bonne idée. Moi, je sais pas en quoi je le referai, mais j'aime beaucoup. Alors, bien sûr, ça reste du coton. Moi, le coton plein comme ça, ça me tient un peu chaud. C'est pas un truc que je vais mettre quand il fera 40 degrés. Mais là, quand il va commencer à faire un peu trop chaud pour avoir des manches longues, mais pas assez chaud pour être en t-shirt du commerce ou en débardeur, ben franchement, ça va être un parfait petit t-shirt. Je suis ravie, 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 et je l'ai fait en à peine un mois, je crois. Attendez, c'est écrit là, me semble-t-il. Je l'ai démarré le 20 mars et je l'ai fini le 15 avril, c'est ça. Donc à peine un mois en faisant autre chose à côté, donc... J'adore, je vous ai dit, j'adore les tricots d'été, j'adore tricoter le coton, j'adore. Et la longueur, franchement, j'aime bien. Ouais, c'est ça, mi-fesse, il m'arrive à mi-fesse. Et c'est ce que je voulais pour ce t-shirt d'été. De toute façon, si un jour je le trouve trop long, bah, c'est vachement plus facile de raccourcir que de rallonger, donc ça ne posera pas de problème. Et pour ceux qui se demandent, j'ai utilisé un tout petit peu moins de 9 pelotes, de fil coton 3, sachant que si vous voulez le faire moins long que moi, 8 pelotes suffisent largement. Voilà, oh, je suis contente, j'aime cette couleur et tout, je trouve ça trop beau. Dernier projet, non pas dernier projet, cette semaine je n'ai pas de projet zéro cerveau sur mes aiguilles, puisque c'est de la dentelle et de la dentelle, donc j'ai décidé que j'allais ressortir ma chaussette, comme on sait depuis quand ? Est-ce qu'on est vraiment obligé de le dire ? Elle est commencée depuis fin décembre. Non mais j'ai déjà la première, rappelez-vous, c'est mes chaussettes avec la laine Fildar, j'ai déjà la première. Et la deuxième, elle est en très bonne voie d'être finie, hein. Alors, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, mais que se passe-t-il? Voilà, c'est cette laine-là de chez Fildar, alors qu'elle est clairement pas d'une douceur incroyable, hein. Qui n'existe plus d'ailleurs, vous ne pourrez plus la retrouver. Et donc, bah, la deuxième chaussette, ça fait un bout de temps que je l'ai abandonnée. J'en suis dans la tige, et rappelez-vous, j'avais fait une chaussette avec un petit truc de point mousse, là, pour le fun. Et c'est ma première chaussette de ma boîte de bas. On est au mois d'avril, bien entamé. Tout va bien. Non, mais je vous ai dit que j'ai déjà beaucoup de paires de chaussettes, donc mon objectif cette année, c'est pas du tout de faire une boîte de bas à 12 chaussettes, si j'en ai 4 ou 5, ça m'ira très bien, même si j'aime tricoter les chaussettes, mais c'est vrai qu'en ce moment, je ressens le besoin de me faire des vêtements. Donc je suis mes envies, puis c'est tout. Donc voilà, si j'ai besoin de zéro cerveau, bah je ressortirai la chaussette, parce que le bagout, c'est clairement pas du tout du zéro cerveau, vu que faut regarder le diagramme un rond sur deux. Non, le Gatsby, faut regarder le diagramme un rond sur deux, donc c'est pas du tout du zéro cerveau. Et la bagou pouch, oh là là, je m'accroche les cheveux dans le truc, qu'est-ce qui se passe? La bagou pouch pouch, je ne sais pas comment ça se prononce, la bagou pouch, c'est de la dentelle, et c'est tous les rangs, il me semble, en ce moment, tant qu'on est dans la dentelle, donc tant que je suis dans la dentelle, c'est pas du zéro cerveau non plus, donc il me fallait un truc discussion compatible, etc. Oh là là, plus je manipule mes cheveux, plus je suis mal coiffée, hein. C'est un peu cata. Bref, et pour finir, dernière chose que je voudrais faire cette semaine, je voudrais faire au moins un échantillon. Vous savez que je vais tester un t-shirt pour Christelle Nihoul. Donc là, cette fois, c'est un t-shirt en yoke, qui est très très beau parce qu'il a de la texture et de la dentelle. Et il fallait trouver un fil qui corresponde, sachant qu'on est sur un échantillon de fingering un peu plus dense. Alors, j'allais dire un peu plus petit ou un peu plus grand, en fait, ça dépend comment on prend le truc. En gros, pour 10 cm, il y a un petit peu plus de maille que sur un échantillon de fingering classique.
Donc on est presque sur... On n'est pas sur une light fingering, mais on est sur une fingering un peu fine. Fallait trouver un truc qui corresponde. Et finalement, dans mon stock, j'avais ce fil-là, dont je n'avais rien fait. C'est bien d'avoir un stage, vous voyez, vous fouillez dedans, vous trouvez ce qu'il faut tout de suite. Je pense l'utiliser du coup, puisque là, on est sur 210 mètres aux 50 grammes, donc 420 mètres aux 100 grammes, donc l'épaisseur du fil devrait aller. Je crois que c'est Julie Lollipelote qui l'a utilisé l'an dernier pour faire je ne sais plus quoi, mais je ne crois pas qu'elle l'a utilisé dans cette épaisseur de fil-là, parce qu'il existe en deux épaisseurs. Il existe en fingering assez fine et en DK assez fine, DK sport. Moi j'ai une quantité de chaque dedans. Il s'agit du Tencel Bambou Fine de chez Go Handmade. Donc voilà. Qui est composé de 40% Tencel et 60% bambou. Que j'ai acheté chez Hobby. C'est la couleur Vintage Rose. J'aime bien. Alors oui, ça c'est assez similaire. D'accord. Il y en a qui vont dire que je tricote toujours les mêmes couleurs. Je sais. Là pour le coup, je me suis vraiment axée sur le métrage de la fibre, et j'avais que ça, ou du bambou pur de chez The Yarn Lovers, et mon expérience avec le bambou pur fait que je prendrais pas le risque de faire un t-shirt si travaillé avec une fibre qui bouge autant. Là j'ai un peu peur que ça bouge, parce que le Tencel ça bouge, le bambou ça bouge, c'est de la viscose hein, les deux. Je vais voir, je vais faire un échantillon, je vais voir comment il bouge. Alors je pense au toucher comme ça, c'est quand même moins élastique que du 100% bambou, mais le bambou est majoritaire dedans. Je voudrais faire au moins l'échantillon de ça, voire monter le top, voilà. Qui lui sortira début juin, je crois. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc on est sur a priori 4 projets cette semaine. Le Bagou Pouch, le Gatsby. Reprendre la chaussette fil d'art si j'ai besoin de zéro cerveau, et monter ce top dont j'ai complètement oublié le nom. Le nom qui me vient là tout de suite, c'est Ernesto, mais c'est pas du tout ça. Je crois que ça commence par E et qu'il y a peut-être un O à la fin, mais je sais plus. Et j'ai encore le nez tout rouge. Et il est tout chaud. Et je ne sais pas pourquoi. Ça m'énerve. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas tenir la chandelle plus longtemps. Passez un bon week-end. Peu importe quand vous regarderez cette vidéo, c'est complètement débile de dire ça. Et on se retrouve plus tard pour parler tricot, évidemment. Hello, on est mercredi, on est sur une fin de journée, sur un soleil couchant. On a de la chance, il y a du soleil qui est revenu, il était parti. Je pense qu'il fera encore assez lumineux pour filmer cette vidéo sans avoir besoin de lumière artificielle. C'est quand même excessivement agréable. Il est 20h et quelques. Je me suis rhabillée pour vous, figurez-vous, je viens de prendre ma douche. Je porte mon Ranunculus en biobalance que vous connaissez par cœur, tellement je le porte. Je l'adore, il faut absolument que je m'en fasse d'autres. Hein. Je l'adore, tout simplement. Et pour être honnête, je voulais venir filmer plus tôt dans l'après-midi. Et pour vous dire la vérité, c'est que je voulais venir filmer vers 18h, 18h30 par là. Et avant de venir, je suis allée scroller un peu les réseaux. Et je ne sais pas si vous la connaissez, si vous êtes naturalista, un peu dans la sphère green, tout ça, vous la connaissez sûrement. J'ai vu le contenu de Friendly Beauty, donc Julie, qui est bretonne, qui est blogueuse depuis environ 10 ans. Je pense que moi, ça doit faire 10 ans que je la suis, plus ou moins. Qui a annoncé qu'elle avait dû faire euthanasier son chat. Alors, je ne connais pas son chat, mais... Enfin, elle a d'ailleurs plusieurs animaux, elle a des poneys, elle a des lapins, des chats, tout ça... Mais Persiette, c'est un chat que bah du coup je connais via ses réseaux sociaux à Julie, donc principalement YouTube et Instagram, depuis 10 ans quasiment. Donc c'est vrai qu'on suivait un peu les aventures de toute sa petite famille d'animaux, parce que c'est une amoureuse des animaux. On savait que Persiette, elle était âgée, qu'elle était malade, que tout pouvait arriver à n'importe quel moment, et bah c'est arrivé aujourd'hui. Et en fait, ça m'a tellement bouleversée que je n'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. Voilà, parce que du coup ça me projette aussi dans les animaux que j'ai perdus, j'en ai perdu plusieurs, moi je suis une Brigitte Bardot, mon père m'appelle, voilà, les animaux, quand j'étais petite j'essayais de sauver tous les hérissons, tous les oisillons, c'était à chaque fois un drame parce que j'y arrivais pas, de toute façon si je les trouvais c'est qu'ils étaient déjà morts, les oisillons tombaient du nid, enfin voilà, autant vous dire la cata, et c'était le drame du siècle à chaque fois, je m'en remettais pas, limite quand on écrase un escargot c'était la fin du monde, enfin... Bref, du coup ça m'a projeté là-dedans, ça m'a projeté dans mes propres chats, dans le fait que tout peut s'arrêter d'un moment à l'autre en fait, et moi mes chats je leur dis tous les jours à quel point je les aime, et à quel point je suis remplie de gratitude de qu'elles soient dans ma vie, mais du coup ça m'a bouleversée, j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer, j'ai dit bon ok, tu ne filmes pas, tu
Dean, tu prends ta douche et tu filmeras après avant que le soleil se couche. Parce que j'ai quand même plein de trucs passionnants à vous raconter. J'ai fait la liste sur un petit papier là. J'ai plein de trucs à vous raconter, mais c'était pas possible tout à l'heure. Donc là, je reviens. Je me suis rhabillée pour vous. Non, en vérité, j'ai mon bas de pyjama et j'ai remis mon ranunculus juste pour vous parce que même si ça ne me dérange pas d'être en pyjama, je suis en pyjama tous les tricotés qu'on fait avec les copines virtuelles, les tricotés virtuels, bien entendu. Mais quand même, pour vous, je mets un tricot parce qu'en plus, celui-ci est tellement beau. Bref, donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de plein de choses, à commencer par les patrons et les vidéos qui sont sorties. Non ! Vous voyez, je suis perturbée. À commencer par lui ! Regardez-moi cette beauté. Et voilà, je fais tout tomber. Ah, ça va pas du tout. Cette beauté, il est fini. Il est bloqué. Il est sec. Il est prêt à être photographié, je sais pas trop quand. Ma foi, j'ai l'impression qu'il a pris un petit peu. Alors, on n'est pas sur un t-shirt moulant, hein, clairement. Mais c'était pas le but. Donc, ça tombe bien. Et voilà ce que ça donne. Et je le trouve très beau, c'est donc mon top télesto de Yarnflex que j'ai fini la semaine dernière, dimanche, je sais plus. Et voilà, Audrey recommande éventuellement pour les manches de rajouter quelques rangs de côtes si on veut que ça ferme un peu. Je sais pas, si je le ferai peut-être pas par la suite, je sais pas. Pour l'instant, je vais voir comment ça donne portée, parce que c'est vrai que c'est accru avec juste, en fait on relève des mailles et on vient les rabattre au tour suivant. Sur les finitions, chez moi c'est pas trop moche, ça s'est bien aplati, là je vous avais dit que ça rebiquait un peu, ça s'est bien aplati. C'est donc le coton 3 de chez Fildart que j'aime beaucoup, et ouais franchement ça va être un chouette petit t-shirt, pour la mi-saison quoi, vraiment. Il est long comme j'aime, il est colvé comme j'aime, il est pas trop dense, et encore je pense que ce coton là j'aurais pu le tricoter peut-être encore un poil plus déjaugé, quoique là ça va, mais ouais, moi le coton j'ai vraiment compris que fallait que je prenne au moins 0,25 de plus que ce que je prends pour de la laine pour le tricoter, sinon ça fait quelque chose de trop dense. Donc voilà, il est fini, il est tout beau, je l'adore, c'est voilà, c'est le télesto, j'aime trop cette couleur, elle est trop belle, j'aime trop cette couleur, voilà, pêche, c'est très très beau. Ensuite, passons aux patrons et aux vidéos que j'ai regardées. Dernièrement, les patrons, alors, parce que c'est un gros bins dans ma galerie photo, parce que je fais des montages, vous savez, de fils que je voudrais associer avec des projets, et là, comme j'ai plein de trucs dans la tête, je commence à faire des montages, parce que, je vous expliquerai du coup après, mais il y en a partout. Au niveau des patrons que je vous incruste ici, il y a Audrey Borrego, donc Yarnflakes, qui a sorti les Killissima Socks, qui sont des petites soquettes avec des bubbles, de la dentelle et des petites dents de chat. Je les trouve très belles, à cela près que je me demande tout de même si les bubbles comme ça dans les chaussures, c'est pas relativement problématique, ou du moins si ça ne... Alors, deux choses. Est-ce que ça ne gêne pas au niveau du ressenti sur le pied? Et est-ce que ça ne s'abîme pas super vite, en vérité, avec les frottements? Est-ce que ça tire pas, voyez, sur les bubbles à chaque fois qu'on met ou enlève les chaussures? Je ne sais pas, mais elles sont très belles. Il y a André Amori qui a sorti un truc qui va encore avoir un succès de ouf. C'est le Traveler, c'est un pull sweat à capuche, qui, à coup sûr, va avoir un succès de malade. J'avais pas vu qu'elle avait des tatouages partout sur les mains comme ça. C'est marrant. C'est un gros sweat. Alors évidemment, elle l'a fait à la mode, crop, très boxy. Moi, j'aime pas les sweats à capuche personnellement parce que généralement, ça monte assez haut et la capuche tire vers l'arrière et moi, je me sens étranglée en moins de deux. Et je trouve que la capuche, c'est encombrant, c'est gênant. Quand mes cheveux se mettent dessus, ils se mettent mal. Quand on met un truc par-dessus, on sait pas quoi faire de la capuche. Enfin, bref, ça m'énerve. Donc, c'est pas le genre de truc que je porte, mais je suis sûre qu'il aura un succès de malade. Et j'ai encore trouvé une paire de chaussettes chat avec des... Une paire de chaussettes avec du jacquard chat. C'est marrant, il y en a plusieurs qui sortent en ce moment. C'est les Playful Kitty Socks de Jocelyne Fraisier. Et ce sont bah, des petits chats en jacquard sur une base de chaussettes colorées, quoi. Et c'est très mignon, je trouve, pour les amoureux des chats. Commence à y avoir un certain nombre de paires de chaussettes avec des chats. C'est normal, les chats, c'est merveilleux. Que voulez-vous que je vous dise ? Autre chose, je voulais vous parler de ça. Je vous l'affiche là. Je suis dégoûtée. Avec les copines, hier, on parlait de gilets.
Et je leur disais que j'avais trop envie de tricoter ce gilet, le songe de printemps de Dreaming Chocolate, que j'avais même une quantité de biobalance prévue à cet effet pour le faire un jour. Et on a découvert que, eh ben, Armel a enlevé tous ses patrons de Ravelry. Donc c'est marqué discontinué. Je n'avais pas acheté le patron parce que je m'étais dit, Manu, sois raisonnable, n'achète pas les patrons en avance, tu les achèteras au moment où tu tricoteras le projet. Et ben voilà, je ne peux plus acheter le patron puisqu'il n'est plus disponible, donc je ne peux pas tricoter ce gilet, alors que vraiment ça fait longtemps que je l'avais repéré et que je le trouvais magnifique. Je suis dégoûtée, voilà. Dégoûtée, archi dégoûtée. Je suis dégoûtée qu'elle ait enlevé ses patrons. Elle fait après, c'est son choix et je comprends totalement. Je suis surtout dégoûtée de ne pas l'avoir acheté avant. Voilà, pour une fois que je m'étais raisonnée en me disant mais non, ne l'achète pas tout de suite, nanana, je suis dégoûtée. Bref, continuons du coup dans la série patron, tout ça. Je vous avais dit que je voulais ranger mon coton initialement destiné aux amis gourmis, puisque je vous ai dit, moi j'ai démarré les arts créatifs par le crochet il y a pas mal d'années, de manière un peu sporadique, puis après quand je m'y suis vraiment remise, j'ai fait des chalots crochets, j'ai fait des amis gourmis, et donc j'avais pas mal de pelotes de coton, j'ai pas mal de pelotes de coton plus ou moins isolées pour faire des amis gourmis. C'est rangé dans des boîtes Ikea, vous voyez, comme ça. J'ai du coton fingering et du coton Deka. En tout, ça prend 3 paniers, l'équivalent de 3 paniers, là, Ikea. Sauf que tout était regroupé, mais tout était mélangé, au niveau des tailles, au niveau des couleurs. Et c'était un enfer. Quand je cherchais un truc, je ne savais pas si j'avais encore une couleur ou pas ou quoi. Je me suis dit, il faut que je range par taille et par gamme de couleurs. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est toujours rangé dans 3 paniers. Mais c'est dans des sacs congélation en fait, j'ai mis tous les tons de rose en fingering, tous les tons de violet en fingering dans un autre sac, tous les bleus dans un autre sac, tous les verts machin. Alors il y a des couleurs où j'en ai plus, genre du rose j'en ai pas mal, surtout que j'ai des couleurs peau tout ça, du violet par exemple en fingering j'ai genre 3 pelotes, mais bon c'est pas grave, j'ai pris un petit sac congélation, j'ai 3 pelotes de violet, voilà. Et j'ai fait pareil pour la déca. Et du coup ça m'a permis de faire plusieurs choses. Déjà ça m'a permis de sortir de mon stock tout ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tout ça, ce sont des pelotes de coton neuves ou entamées, de fil d'épaisseur supérieure à de la DK. C'est de la Aran ou de la Worsted. On est en gros sur des pelotes, là c'est 50 mètres pour 50 grammes, là c'est 85 mètres pour 50 grammes, voilà, en gros. Alors, il y a de la Cheval Blanc, comme ça, de la Nomad Mix, donc là c'est acrylique coton. Il y a de la Rico Designed Aran, donc là c'est 100% coton. Principalement ces deux qualités-là. Il y a d'autres trucs comme ça, Yarn Classique Cléopatra, je sais même pas d'où ça sort ça. C'est 70% bambou, 30% coton, c'est gros aussi. Voilà, c'est que des gros fils comme ça. J'ai un peu de ça aussi, de la Mali, là j'ai vu que j'en avais 3-4 pelotes de chez Katia. Mali, c'est 100% coton et c'est 65 mètres pour 50 grammes, vous voyez. C'est tout des gros fils comme ça. Je ne sais même plus ce que j'ai fait avec, figurez-vous. Ouais, j'en ai plein, d'haricots, tout ça. C'est que des pelotes isolées. Je n'ai pas deux fois la même couleur. Il y en a plusieurs qui sont entamées. Genre là, vous voyez, il me reste que ça de violet, je ne sais même pas ce que c'est. Bref, j'en ai tout ça. Et je ne sais plus du tout pourquoi j'avais acheté ça, ce que j'en faisais, ou quoi, ou qu'est-ce. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça? Parce que des amis gourmis dans du si gros coton, non, enfin voilà, c'est pas mon truc. Des vêtements dans du si gros coton avec que des pelotes isolées, je sais pas. Je me suis dit, alors il y a l'option des torchons, il y a l'option du tapis de bain, il y a l'option machin. Et je me suis rappelé que mes parents me tannent depuis au moins 2 ans pour que je leur fasse un dessus de canapé. Pour l'assise du canapé, parce que je vous ai déjà expliqué que leur canapé est un canapé alinéa, dont l'assise s'est usée à la vitesse de la lumière, et pourtant ils sont que deux, et ils font pas des mille trucs sur le canapé, enfin voilà, même l'endroit où moi je m'assois que pendant que je suis là, et il y a personne d'autre qui s'assoit jamais, c'est tout est limé, enfin bref, c'est une qualité pourrie. J'avais commencé un truc au crochet, et ça m'a saoulé, c'était pas comme je voulais, j'ai jamais continué, et mon père m'en reparle régulièrement, au fait, notre truc de canapé, il avance. Oui, je me suis dit qu'avec ces pelotes-là, je pourrais faire une excavation blanket. Donc vous savez, la couverture excavation là que tout le monde a fait, que dont Emma Tricolibri a parlé en premier, je pense, qui se tricote, vous savez, avec des rayures en diagonale, comme ça, on va jusqu'à la taille qu'on veut, après on réduit, tout ça. Alors, moi, ça serait pas la taille d'un couvre-lit, hein. Clairement, on est sur un assise de canapé à 3 places,
mais du coup ça serait moins long. Enfin, c'est en longueur, oui, non, ça serait moins long et beaucoup et deux fois moins large. Je me suis dit que je pourrais faire ça avec ce coton-là. Alors, j'en aurais certainement trop, je pense. À mon avis, avec tout ça, j'en ai trop. Mais ça permettrait de l'user, quoi. De l'utiliser un petit peu. Je me dis qu'au pire, vu que c'est un canapé d'angle, je pourrais en faire deux pour les deux parties du canapé. Si j'ai trop de fils. Le seul truc qui me fait hésiter, c'est que je suis pas sûre que ma mère soit très fan des variations de couleurs. Ou alors, est-ce que j'essaye de faire un dégradé ? Je positionne toutes mes pelotes de manière à faire un dégradé. Je pense qu'un dégradé, ça lui plairait peut-être plus qu'un truc avec des couleurs un peu aléatoires, un peu bariolées. D'autant plus que ça n'a pas pour but d'être une couverture, ça a pour but d'être une assise. Et du coup, je me dis, comme c'est du coton un peu épais, ça sera assez solide, voyez-vous. Ça va pas s'user trop vite. Je ne sais pas. Je pense que je vais emmener tout ça chez mes parents la prochaine fois que j'irai. Au moins, ce sera stocké chez eux et plus chez moi. Je mettrai ça dans ma chambre chez eux. Et je commencerai ça là-bas parce que, oui, j'ai des couleurs bariolées genre ça. Ça, je suis pas sûre du tout que ça plaise à ma mère. Faut voir. Faut que je regarde. Peut-être essayer de faire un dégradé. Je poserai tout sur mon lit chez eux. Et j'essaierai de faire un dégradé avec l'excavation blanket. Eux, ils disent que ça se tricote en 4-5. Vous voyez, genre, je prends des aiguilles 5. Ou même 5,5 pour pas que ce soit trop dense. Et j'essaye. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En attendant, j'ai déjà retiré tout ça du stash. Eh, c'est énorme, hein. Ça prend beaucoup de place. Et je pense que ça doit faire au moins 5 ans que j'ai pas touché à ces pelotes parce que je sais même pas pourquoi j'avais acheté ça. Je me demande si je les avais pas achetées à la base pour faire des tawashi, des trucs comme ça. Pourquoi j'en avais acheté autant? Bienvenue dans ma vie. Bref, et du coup, en rangeant les cotons, j'avais aussi dans l'idée de chercher des cotons pour des projets particuliers vêtements. Parce que j'ai aussi des projets d'amigurumi, mais ça, je sais qu'il me faut des petits morceaux de pelote, enfin voilà. Et j'avais des vêtements que j'avais envie de faire en me disant je peux utiliser ce que j'ai déjà en stock en bricolant, en cherchant, en m'adaptant, pas forcément aux couleurs que je voulais vraiment, si je voulais, voilà, mais en bricolant. Et donc je vous mets des incrustes là parce que je vais pas vous montrer les pelotes, ça serait un bordel sans nom de les tenir dans les mains, tout ça, j'ai fait des sacs à projet. Mais du coup, j'avais dans l'idée de chercher du fil pour faire un deuxième fioré top. Je n'ai pas encore fait le premier, mais le premier je voulais le faire avec de la Katia qui se dégrade toute seule et du blanc. Et la deuxième, je m'étais dit que je partirais sur un dégradé de vert bleu turquoise et violet mauve. Parme. Et du coup, j'ai trouvé plus ou moins quelque chose qui me plaît dans mon stage. Donc, je vous mets la photo là. Dans mes pelotes, j'ai fait un sac à projet. Normalement, j'ai à peu près la quantité qu'il faut pour faire ma taille de fioré top. Et je le veux pas trop court. Vous savez, j'aime pas les trucs trop courts. Après, il y aurait peut-être moyen de rajouter un truc si besoin. Mais normalement, j'aurais assez. Sachant que sur la photo, ce que vous voyez, les deux pelotes, la turquoise qui est embobinée un peu bizarrement et le premier violet, les voisins arrosent leurs plantes et ça gicle sur mon balcon, mais c'est merveilleux! C'est génial. Bref, la pelote embobinée, là, comme ça, turquoise et la pelote violet. En bas, ce sont des pelotes que j'ai récupérées de ma grand-mère, donc je ne sais pas ce qu'il y a comme quantité, ni exactement ce que c'est, mais de toute façon, dans ces cas-là, je ferai des cakes, parce que comme il faut tricoter à des moments en double sur le fioré top, il faut que je puisse avoir les deux bouts, donc là, c'est pas le cas, je ferai des cakes et je pèserai. Au toucher, c'est de la fingering, hein, la violette étant plus fine que la bleue, je pense, mais c'est de la fingering sport. Et donc, bah forcément, je ne m'appuierai pas sur les trois couleurs du top fioré, mais je ferai un dégradé à ma sauce. Voilà. Donc je me dis que ça pourrait être hyper joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, j'avais dans l'idée, depuis un moment, ça me trottait dans la tête, et c'est très rigolo parce que Cécile en a parlé dans sa dernière vidéo. Elle disait qu'elle est en train de travailler sur la version DK du Saturne, son patron de pull, et du coup là, elle fait le gilet et le pull Saturne en DK. Et moi, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, j'ai envie de me faire un t-shirt Saturne en DK. Et j'avais dans l'idée d'acheter le patron en fingering et de bricoler en fonction de mon échantillon, quoi. C'est d'ailleurs ce que je ferai si je fais ça cet été, sachant que je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de faire ça cet été. Mais bref, du coup j'ai cherché dans mes pelotes de DK, sachant que les DK j'en ai quand même beaucoup moins que des fingering. Je voulais partir sur une base de blanc avec de fines rayures de couleur pastel. Voilà ce que j'ai sélectionné. À la base, j'aurais voulu un violet beaucoup plus clair que ce que j'ai mis sur la photo, mais je n'en ai pas.
Et à la base, j'aurais pas nécessairement mis les deux pelotes du bas coloré, la sorte de ocre jaune et du rose pêche, parce que je voulais vraiment que des couleurs ultra pastel, mais j'avais rien d'autre. Donc c'était ça ou rien, et je ne voulais pas racheter spécialement pour ça. Donc voilà, je pense me faire un Saturn DK, comme ça. Faut falloir que je fasse attention avec le blanc, parce que je n'en ai que un peu moins de 3 pelotes. Ah non, c'est 4 non, c'est 3 pelotes et demi, pardon. Il y a une pelote qu'on ne voit pas en dessous, donc bon, faut quand même faire attention. Mais je me dis, avec des rayures plus ou moins un peu aléatoires, et de temps en temps, deux tours de blanc, un seul tour de couleur, enfin, je pense que ça pourrait être hyper sympa, un peu un Saturn dégradé pastel et tout. Je veux pas faire des grosses rayures, je veux vraiment faire des petites rayures. Voilà, j'aimerais bien monter ça cet été, à voir. Et ensuite, du coup, j'avais dans l'idée de trouver du fil pour faire deux projets que j'avais repérés, un chez Katia, l'autre chez Fidda, en crochet, qui sont des vêtements avec plusieurs couleurs. Et là, du coup, je savais que en plusieurs couleurs, j'aurais de quoi faire dans mon stage, parce que je n'ai absolument pas de quantité crochet, de quantité top ou pull pour le crochet dans mon stage, puisque ça consomme quand même au moins... je dirais 2-3 pelotes pour moi, ou 4 de plus que du tricot, et j'ai pas. Et dans mes stocks de coton, je vous ai dit, c'est des pelotes unitaires où j'ai 2-3 pelotes de certaines couleurs, mais c'est, voilà, c'est rare. Donc j'ai pris des patrons qui sont multicolores, dans l'idée de m'arranger avec moi-même. Donc le premier, c'est le gilet, alors qu'il a pas de nom, mais c'est le modèle 42 de chez Katia, que vous pouvez trouver sur leur site. Je crois que je vous l'avais montré, peut-être, dans ma sélection de patrons l'autre fois. C'est un gilet normalement qui est en 3 couleurs. Elle l'a fait en bleu lavande, vert... Ah non, 4 couleurs. Bleu lavande, vert, rose et blanc. Enfin, turquoise, rose et blanc. Moi, j'avais pas assez de quantité pour le faire quand... Bon, si je vous dis, il y a 4 couleurs et j'avais pas assez, mais si, j'ai assez. Non, c'est ça. Elle le fait en 4 couleurs. Moi, j'ai pris 4 couleurs, mais j'avais pas des quantités égales dans chaque couleur. Donc, du coup, j'ai choisi d'une sorte de vieux rose. Là, j'en ai... 3 pelotes et un très gros reste. Ensuite, une sorte de pêche orangée, j'en ai 4 pelotes. Une sorte de corail, j'en ai 3 pelotes. Et du gris, j'en ai 2 pelotes. Donc, je vais essayer de bricoler avec ça. C'est de la fingering. Alors, c'est ce qui est recommandé, je crois. Et je trouve que c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez du combo de couleurs. Après, j'avais pas trop de choix non plus, quoi. Il me fallait au moins 3, voire 4 pelotes identiques. Et c'est vraiment, j'ai beaucoup de pelotes unitaires dans mon stock de coton. Mais je me dis que ce petit gilet là, vitaminé comme ça, avec le gris qui vient apaiser un peu le tout, ça peut être quand même super sympa pour le printemps-été sur un débardeur blanc ou noir, voilà. Et du coup, j'ai aussi sélectionné de la laine, enfin du coton, pour le dernier projet. Je me suis bien amusée, clairement, je me suis trop bien amusée à trier mon coton, à chercher, machin et tout, c'était trop bien. C'est un top que j'ai acheté sur le... Enfin, un pull que j'ai acheté sur le site de Fildart, qui est le pull Gaia. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce pull-là, c'est qu'il y a une encolure un peu... Je sais pas comment dire, V, mais un peu dégagée, et j'aime bien les manches qui sont un peu resserrées, tout ça. Le truc que je n'aime pas du tout dans ce patron, c'est qu'il s'arrête au 42-44, mais j'ai l'intention de le tricoter un peu plus déjaugé qu'elle, je veux vraiment quelque chose de fluide. Elle a l'air de le porter sans rien. Moi, s'il faut, ce sera juste un pull à mettre sur un débardeur. De toute façon, un pull avec des manches comme ça, c'est pas un truc que je mets quand il fait très chaud. Donc voilà, je vais voir. Je me demande si je vais faire un échantillon ou si je vais directement partir à la plus grande taille, et que 3 tailles, avec un crochet plus grand que eux. À voir. En tout cas, elle le fait en 5 couleurs, je crois. Enfin, il est fait en 5 couleurs, avec un point fantasy, et moi, du coup, j'en ai sélectionné plus parce que, toujours pareil, je n'avais pas assez de pelotes. Je crois qu'il fallait... Le téléphone sonne, je reviens. Je suis de retour, et je vais me dépêcher parce qu'il commence à faire tout noir. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir, le jour tombe, etc., etc., et on est flou, on adore. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous disais que... Ce pull Gaia de chez Fildart n'est gradé que jusqu'au 40-42, mais je 42-44, mais je comptais le faire de toute façon un peu plus déjaugé que pour avoir un truc fluide, même si c'est un peu ajouré, je m'en fiche complètement, de toute façon, vu les points, c'est forcément ajouré. Et elle a, je crois qu'il fallait, attendez, j'ai noté sur mon papier, le pull Gaia, il fallait 1, 2, 3, 4, 5 couleurs.
Et j'en ai pris un peu plus parce que je me doute que moi j'aurais besoin d'un peu plus de fil qu'elle, parce que je vais faire une taille plus grande et je vais sans doute le faire un peu plus long que la personne qui a l'air de le porter assez court. Donc j'ai sélectionné ce que vous voyez sur la photo, là d'ailleurs. Peut-être que je n'utiliserai pas toutes les couleurs, je sais pas, mais pour l'instant voilà ce que j'ai mis de côté. C'est une sorte de boîte rose, du violet clair, une sorte de rose un peu corail, du bleu un peu brouillard, un orange brûlé un peu, du gris clair et du noir. Et je me dis que ça pourrait, ma foi, faire très sympa. Voilà. Et pour finir avec ces histoires de crochets, ça, je tiens à dire que c'est de la faute de Eve, de la faute de Cécile, de la faute de Mimi, et de la faute de mes tricopines qui n'arrêtent pas de me parler de gilets en granit. J'avais dit Manu ne fera pas de gilets en granit, parce que Manu ne sait pas si elle aura la patience de faire des granits, si elle assumera de porter un gilet en granit, si... Gna 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 gna. Voilà, donc les filles font majoritairement deux gilets en granit. Il y a le Ariana de Amy Christophers que je vous affiche là. Et il y en a un autre, je ne sais plus lequel c'est, mais moi c'est celui-ci que je préfère, je trouve que c'est plus élégant. Enfin non, je préfère, sur moi, la version où les carrés sont en diagonale, donc c'est des demi et des quarts de carrés devant, plutôt que l'autre version de l'autre gilet qui est à la mode, où les carrés sont plutôt droits, et du coup ce sont des carrés pleins. Moi je préfère cette version-là, en plus le patron est gratuit, il n'est qu'en anglais mais il est gratuit, ce qui ne gâche rien. Et j'ai réfléchi du coup à comment je voulais le faire, parce qu'il est fait en déca. J'ai vu des gens qui l'ont fait en lima, mais déjà la lima elle est ultra chaude, tricotée, mais alors crochetée, laissez tomber quoi, ça va faire un gilet gigantesque. La charisma c'est pareil, j'avais pas trop dans l'idée, ça fait plutôt un gilet de printemps-été à voir comme ça. On dirait même pas qu'elle l'a fait en déca la nana. J'avais plutôt envie d'un truc un peu moins mastoc quoi. Donc je me suis dit je peux pas prendre un fil fingering parce que ça va, enfin je vais avoir un trop gros écart d'échantillon. Je me suis dit que fallait que je prenne forcément un fil qui ne soit pas une fibre végétale parce que ça ferait un truc trop lourd. Puis j'ai déjà un autre gilet un peu bariolé prévu en coton. Voilà. Et donc j'ai regardé sur Calidou parce que je voulais aussi pas mettre des milliers des cendres dans ce gilet en crochet, sachant que de 1 je ne sais pas s'il sera réussi et de 2 je ne sais pas si j'oserais le porter en dehors de chez moi. Et donc je me suis dit que l'alpaca de Drops pourrait être un super compromis pour 3 raisons. La première c'est que c'est un fil sport mais qui est quand même assez dodu et qui gonfle, donc qui peut... Oh là là, je crois que la luminosité ça va pas du tout. Bref, un fil sport mais qui gonfle. Donc, qui peut être tricoté, moi, comme je comptais le tricoter pas en serré-serré, parce que je veux un truc fluide, sur un échantillon de déca, ça peut le faire. Il y a plein de belles couleurs, parce que j'ai regardé, par exemple, la Nord, elle est plus fine, mais il y a vraiment pas beaucoup de couleurs. Et l'alpaca, donc c'est du 100% alpaga, ça a un joli drapé. Je me dis, pour un truc en crochet qui pourrait être un peu lourd, machin, le fait que ça ait du drapé, pourquoi pas. Donc je me suis fait deux moodboards que je vous mets là, avec des inspirations. Alors on est toujours dans le même genre de couleurs, hein. J'adore ce genre de couleurs, puisque c'est 3 couleurs pour les granits et une couleur pour les finitions. Elle a fait tous les granits identiques, c'est-à-dire que c'est le même ordre de couleurs, moi j'aurais dans l'idée de pas les faire tous identiques. Donc il y a une première inspiration avec des couleurs plutôt foncées, et j'avoue que j'aime beaucoup cette nuance de couleurs. Et je vous mets là la deuxième inspiration, qui est avec plutôt des couleurs pastel pour faire vraiment un gilet de printemps. Je vous cache pas que j'ai très envie de faire les deux. Voilà, c'est dit. Je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous parler niveau patron, laine, tout ça. Donc les patrons, les projets crochets avec le coton que j'ai rangé, la couverture, enfin le plaid pour mes parents pour leur couvre-canapé, les gilets en crochet, les patrons qui sont sortis, les vidéos que j'ai regardées, ma grosse déception sur le gilet d'Armel qui n'est plus disponible. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que j'ai monté un nouveau projet. Si vous regardez Julie, ou même je vous l'ai dit, Lollipelote, nous allons tricoter en duo le Everyway Shawl d'Andrea Mori. Moi j'avais prévu de le faire, pas nécessairement maintenant, mais ça me dérange pas du tout de le faire maintenant, comme ça je l'aurai pour l'hiver, vu que c'est un gros doudou, c'est une sorte d'étole que l'on peut nouer de différentes manières. Enfin, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. J'avais acheté la laine cet hiver pour la faire... voilà, et l'avantage c'est que c'est un gros morceau
qui se tricote en grosses aiguilles, donc ça va monter vite. Alors c'est un gros morceau quand même, hein, avec voilà, il est long et tout, mais c'est cool. Alors je sais que Julie fait ça, oh, je sais plus en quoi, en Népal ? Non, moi je fais ça en Népal, Julie fait ça en Alaska ? Je sais plus. Le patron d'Andrea Mori se fait en aiguille 6,5. Moi, j'ai choisi de la Népal de chez Drops. Je vais vous montrer mes coloris, vous n'allez pas voir grand-chose avec la lumière qui baisse. Vite, je me dépêche. De la Népal de Drops parce que j'avais pas envie de prendre de l'Alaska qui est quand même vraiment ma stock. La Népal est douce et je me dis qu'avec l'alpaga qu'elle contient, ça pourrait être un peu fluide. Donc c'est 65% laine, 35% alpaga. La Népal est recommandée d'être tricotée en aiguille 5. Moi j'ai pris des aiguilles 6 pour être dans l'entre-deux entre l'échantillon recommandé par Andrea Mori et la taille d'aiguille préconisée par Malène. Je ne sais pas du tout si mon échantillon est bon ou pas, hein. Je n'ai absolument pas mesuré. J'aime bien le rendu en 6, je trouve que c'est ni déjaugé ni trop serré, c'est comme j'aime. Et au niveau de la taille, donc c'est une étoile, donc c'est rectangulaire, donc j'ai commencé, je vais vous montrer. La taille me paraît bien. Alors au niveau des couleurs, on a une couleur principale qui, moi j'ai choisi celle-ci, c'est du beige, c'est le coloris 500. Et on a trois couleurs contrastantes. Donc moi j'ai choisi ce bleu turquoise qui est le 8908. J'ai choisi ce rose blush qui s'appelle, je crois, c'est le 8912. Et j'ai choisi d'utiliser, il me restait pile poil le nombre de pelotes qu'il fallait de ce violet qui est le 4434. Avec lequel j'ai fait les gros gilets au crochet là que je vous ai montré cet hiver. J'en ai fait un violet, ben voilà, il me restait des pelotes de ça. Et donc, eh bien ma foi, voilà ce que ça va donner, j'aime beaucoup ce combo. Et j'ai castonné hier, puisque Julie m'a dit qu'elle commençait hier, je dis « Ah, moi aussi, je veux commencer !» Donc j'ai fait la section 1, qui est toute petite, la section 1, c'est juste un point texturé en coloris principal. Alors moi, je pensais bêtement que ça démarrait sur un truc super facile, genre zéro cerveau. Alors c'est pas compliqué du tout, c'est juste que c'est un point texturé avec une alternance de maillon droit et de maillon vert. Je voulais faire ça au tricoté. Impossible de papoter en faisant ça, puisque c'est 3 mailles en vert, 2 mailles en droit, 5 mailles en vert, 1 maille en droit, 2 mailles en vert, 2 mailles en droit, 3 mailles en vert, 2 mailles en droit. C'est très simple, mais c'est pas possible de parler en même temps, il faut être concentré. Donc voilà ce que ça donne, j'espère que vous allez voir, parce que la nuit commence vraiment à tomber, puis je pense qu'il va pleuvoir. Voilà, alors voyez la largeur de mon... J'ai pas mesuré, mais franchement, mon étoile, elle a déjà une bonne largeur, quoi. Puis c'est vraiment, vu que j'ai tricoté pas en serré, vu que c'est en 6, il y a moyen, regardez, que ça s'étende au blocage s'il faut. Alors je vais essayer de pas trop tirer dessus, que ça ne sorte pas de mes aiguilles. Et donc je vais vous montrer de plus près uniquement le petit motif. Voilà ce que ça donne. C'est un petit motif texturé comme ça, je crois qu'il va plus ou moins se poursuivre partout sur l'étole. J'aime bien, c'est très joli. Ça c'est la section 1, et la section 2, après on vient faire des rayures, enfin trois grosses rayures avec les trois couleurs contrastantes, je pense plus ou moins de la même hauteur. Donc voilà, la section 1 était très courte, je suis contente de l'avoir faite, je ne suis pas sûre... Attendez, comme ça vous verrez. Je ne suis pas sûre... Ah, comme ça c'est mieux. Enfin je pense que je n'y toucherai plus cette semaine, je voudrais finir ma pochette bagou, je n'y ai pas touché. Là j'avais très envie juste de le castonner, voilà, pour dire je l'ai commencé. Donc voilà, et puis c'est en aiguille 6, ça monte vite, c'est génial. Donc voilà ce que ça donne, j'aime bien, hein. Et au niveau de la largeur, franchement, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal du tout au niveau de la largeur, donc à voir ce que ça va donner. Je demanderai à Julie quelle largeur fait le sien, pour voir si j'ai une grosse différence, parce que je sais qu'elle voulait faire un échantillon et tout pour faire les choses. Voilà, j'ai fait le tour de tout, c'est tout. Donc... Je pense que cet été va y avoir des vêtements au crochet qui vont monter sur mes aiguilles. Hein. Enfin, sur mon crochet, du coup. J'ai très envie, à voir si je craque, de me faire une commande Calidou pour les granny, pour l'alpaca. Je ne sais pas, parce que l'alpaca, c'est quand même pas donné, hein. C'est des pelotes à plus de 3 euros, donc pour du crochet, il en faut quand même pas mal. À voir, voilà. Vous savez tout, je vais arrêter ici parce que c'est déjà bien assez long et on est dans le noir. Donc on est mercredi, je pense qu'on se retrouvera vendredi. Mais je ne vous ai pas parlé des vidéos que j'ai regardées. Je fais ça tout de suite. Oh là 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 là, Manu, c'est pas possible, hein. Alors, j'ai regardé
le podcast 24 de Lysandre, et c'était très sympa comme d'hab. Lysandre, elle tricote, elle coud, elle fait des trucs trop bien, elle fait des trucs trop beaux, elle fait des trucs super vite, je suis admirative. J'ai regardé l'épisode 65 de Lauriane, là aussi c'était très chouette, pareil, Lauriane elle tricote vite, elle tricote bien, c'est ultra agréable, et c'est beaucoup trop mignon, hein. Les trucs qu'elle a fait au crochet là, ça m'a donné envie de refaire des amis gourmis, parce que c'était beaucoup trop mignon. J'ai regardé l'épisode de MJ, qui n'a pas de numéro, et qui était vraiment très chouette. Et alors, MJ, je suis archi fan de ton Elton, et encore plus archi fan du Floodlight que tu as monté, qui est canon. Moi aussi, j'ai envie de monter un Floodlight, et alors ses couleurs, incroyable. J'ai regardé le carnet créatif 16 d'Eve, évidemment, et j'ai adoré. Comme d'habitude, c'était trop chouette. Je sais plus ce que je voulais vous dire à propos d'Eve, justement. Ah oui, Eve, elle nous a montré son tableau un peu rétro-planning, organisationnel d'objectifs tricot. Comment vous dire que vous devez bien vous douter que c'est le genre de truc que j'adore, moi qui passe ma vie à faire des listes, à faire des tableaux. J'ai je ne sais pas combien de tableaux dans mes bullet journaux prévisionnels de tricot, de là j'ai envie de tricoter ci, ça, les tests, les machins, enfin bref, j'adore faire ça. Prévoir, des fois, alors quasiment tous les mois de janvier, je fais des plannings sur toute l'année, puis après je fais des plannings sur le mois, puis après je me fais des objectifs, des machins, je lis, je trouve, enfin bref. J'adore faire des plans sur... C'est des trucs que je ne tiens jamais, hein, mais j'adore faire des plans sur la comète. Du coup, Eve, avec son planning d'objectifs de la semaine, là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a donné super envie. Bon, elle fait ça sous Excel. Moi, Excel, c'est un logiciel que je n'aime pas. Déjà parce que je le maîtrise très mal et que je n'ai jamais fait l'effort d'apprendre à l'utiliser de manière optimale. Et je réfléchissais à ça, parce que j'ai jamais aimé Excel. Et je pense que ce que je n'aime pas dans Excel, vraiment, j'ai eu conscience de ça il y a quelques temps, c'est que on voit toutes les lignes et toutes les colonnes au-delà de celles qu'on utilise. Et moi, ça me perturbe et ça me fait une pollution visuelle d'avoir toutes les lignes qui sortent de la page et toutes les colonnes. Ça me dérange, ça me perturbe. Quand, moi, je fais mes tableaux sous Word, enfin, sauf quand j'ai besoin d'utiliser des formules, tout ça, mais quand j'ai besoin de faire des tableaux de texte, je les fais sous Word parce que c'est beau, c'est bien propre, ça dépasse pas, c'est blanc autour du tableau, on peut sauter des lignes entre les colonnes, si on... bref. Là, vous allez dire, je suis barjot. Oui, peut-être. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai commencé un tableau sous Word. Donc, il n'est pas rempli cette semaine, mais je le remplirai pour la semaine prochaine et je vous le montrerai. Voilà. Eve, c'est de ta faute. Mais oh, j'aime tellement ça. Faire des rétro-planning, des machins, des trucs. J'en parlais avec mon psy hein, l'autre fois. Je lui disais que j'ai du genre à réfléchir à des rétro-planning. Alors, de trucs bien plus sérieux que le tricot. Hein, mais il me dit, tant que ça vous pollue pas le mental et que ça vous aide à vous rassurer, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai toujours été comme ça. Alors, je ne faisais pas trop de rétro-planning de révision parce que j'arrivais jamais à les tenir et ça m'angoissait. Mais alors, ouais, les rétro-planning, enfin, de tout. Voilà, team bullet journal, team 3000 tableaux, 3000 listes, voilà. Voilà, bienvenue dans ma tête. Bref, j'ai regardé le podcast 80 de Cécile que font mes mains. C'est la dernière chose que j'ai regardée, je suis toute jaune parce que là, pour le coup, j'ai allumé la lumière artificielle. Et il va vraiment pleuvoir, je pense. Et c'est très moche, mais c'est pas grave, c'est la fin. Et j'ai adoré, c'était vraiment très sympa. Cécile, j'aime beaucoup. Elle me fait rire, elle parle cash. Et elle me fait beaucoup rire avec son bitonio de sa robe. Si vous n'avez pas regardé, vous ne comprendrez pas, mais elle m'a fait beaucoup rire. Et elle va tricoter la pernelle de chez Natissa. Et j'en parlais avec mes copines, je disais que tout le monde dit... La pernelle, le chanvre, c'est génial, c'est super frais, c'est super fluide, c'est super léger, on a l'impression de ne rien porter, machin. Moi, j'ai l'avis tout contraire. J'ai tricoté il y a 2 ans le top Clémentine, le t-shirt Clémentine en test pour Christelle Nioul en Natissa, en pernelle de chez Natissa. Donc c'est un t-shirt que j'ai fait un peu long, donc on n'est pas sur un petit top. Hein. Bon déjà, j'ai détesté tricoter le chanvre. Ça m'a fait mal aux mains, mais de folie, c'était horrible, j'ai détesté. Mais c'est surtout que c'est le t-shirt le plus chaud de toute ma garde-robe. Le truc, il fait 700 grammes. Il est ultra lourd. Il est... Alors, oui, il est dense. Parce que le chanvre, c'est dense, en fait, de base. Clairement, je pense que c'est le t-shirt le plus lourd de ma garde-robe tricot. Il est plus lourd que mon Bumen, etc. D'ailleurs, j'ai très envie de refaire un Bumen aussi. Et ça n'a rien à voir. Voilà,
Je ne sais pas. Alors, avec les copines, on se disait que peut-être maintenant les designers qui font des trucs en chanvre de chez Natissea le font peut-être en vraiment déjaugé. Je ne sais pas. En tout cas, moi, mon top en chanvre Clémentine, je l'aime beaucoup parce qu'il a de la tenue et tout, mais il a de la tenue, quoi. Il fait 700 grammes. Voilà. Bref. Allez, sur ce, je vous laisse. Je pense que je reviens vendredi clore pour vous faire le petit bilan tricot de ce que j'aurais fait. Et c'était quand même bien long aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu malgré cette luminosité qui est plus que bizarroïde, mais vraiment, il va pleuvoir, je pense. Et de toute façon, là, il est 9h, le soleil se couche. Je vous dis donc à tout de suite pour vous et à dans 2 jours pour moi. Hello, on est vendredi et on est sur un vendredi super lumineux parce qu'il fait grand soleil là. Il a fait gris une grosse partie de la journée et là il fait soleil. Mais il fait soleil un peu tard je trouve puisqu'on est en toute fin de journée. Il est 19h. J'ai pris ma douche et figurez-vous que donc j'avais envie de me laver tôt et d'être prête tôt en pyjama et tout pour passer une soirée pépouse, cosy, tranquillou avec mon tricot et tout. Je vais à la douche donc vers, je sais pas quelle heure il était 6h30 par là. Je me lave les cheveux et tout tranquille, je sors de la douche et là je me dis « Mais en fait, t'es pas censé sortir ta vidéo demain? Il serait peut-être pas temps de venir clore le vlog ?» Si, bah écoutez donc ce sera une vidéo cheveux propres mouillés. Vous avez eu droit aux cheveux sales, aux cheveux pleins d'huile, aux cheveux propres pas coiffés, bah là vous avez droit aux cheveux propres mouillés, voilà. Et je voulais me les laver assez tôt aussi parce que je voulais qu'ils aient temps de sécher avant d'aller me coucher, qu'ils soient quasiment secs. Là je pense qu'ils seront complètement secs puisqu'ils sont, il est un peu plus de 7h. Je suis sortie de la douche il y a quelques dizaines de minutes, vingtaine de minutes, enfin de la salle de bain plus exactement. Et je vais me coucher pas tout de suite, donc ils auront le temps de sécher. Il y aura peut-être un peu de bruit dehors parce qu'il y a les voisins du rez-de-chaussée qui ont leur famille, c'est l'Aïd aujourd'hui. Donc ils ont leur famille, je crois que de toute façon ils vivent avec certains de leurs enfants. Et du coup il y a des enfants qui jouent, il y a des bébés qui chouinent, il y a des adultes qui discutent. Donc je ne sais pas si ça parviendra jusqu'à vous. J'ai poussé la fenêtre, mais peut-être. On a une petite perle que vous ne voyez pas. Qui est là, voilà, ma bébé qui dort. Oh, elle est c'est mignonne. On pourrait peut-être se tourner un peu hein, pour la voir. Ouais, mais après, on va être en contre-jour avec la fenêtre pleine de soleil, puisqu'on est sur une fin de journée. On est donc sur une fin de vlog. Et qui dit fin de vlog, dit bilan tricot. Alors, je vais essayer de pas faire un tic de bouche. Je sais pas pourquoi, en ce moment, je suis excessivement sensible à ce tic de bouche. Quand je regarde des vidéos YouTube, il y a des gens qui le font et qui le font beaucoup pour certains. Et en ce moment, ça me fait un peu le même effet que vous savez les doigts qu'on passe sur un tableau à craie, quoi. Voilà, ça me fait des frissons dans tout le corps. C'est le quand on reprend sa respiration. Et j'ai l'impression que je le fais un peu aussi. Et je me dis que ça doit être excessivement désagréable pour les auditeurs. Donc je vais essayer de faire attention de ne pas le faire. Je pense pas que je le fasse trop. Mais je pense que je le fais un petit peu, mais je sais plus qui j'ai écouté l'autre jour. Je n'avais jamais remarqué avant, mais je pense que un peu de fatigue, un peu de machin, vous savez que moi, je suis une bonne hypersensible, bien comme il faut, avec bien une hyperesthésie de plus ou moins forte par moment, plus ou moins, etc. Et là, sur 2 vidéos consécutives, c'est le cas de le dire, quoi. Ça m'a dressé les poils, les gens qui reprennent leur respiration en faisant... Voilà. Bref, c'était le petit aparté. J'ai encore le nez tout rouge. Je crois qu'on va capituler. Je ne sais pas pourquoi j'ai le nez tout rouge, parce que je me mouche beaucoup. Mais il est chaud, hein. Il est tout chaud. Il est tout rouge et tout chaud. Oh, il y en a marre. Je ne sais pas. On va commencer. Je voulais vous parler de patrons qui sont sortis et de vidéos que j'ai regardées. Donc, allons-y tout de suite. J'ai l'impression qu'on est un petit peu haut, non? Non, ça va. Ah, je vous ai pas dit. Je porte mon Rokiti. Mon Rokiti que j'adore, que j'ai fait en Othello de fil d'art mais qui n'existe plus, et en kit silk de chez Drops, encore une fois, qui ne me pique pas du tout. Je l'aime énormément, il est parfait pour cette saison, même si en ce moment les manches courtes, il fait encore un peu frais. On est à des températures, bah aujourd'hui, sans soleil, franchement, moi j'avais froid. Au soleil, il faisait vraiment bon, mais on est vraiment sur un soleil de printemps maintenant, mais à l'ombre, froid froid quoi. Donc je l'aime beaucoup, j'ai très envie d'en refaire d'autres, et je me demande si j'aurais pas envie de faire l'encolure du Telesto à la place de l'iCord, parce que j'ai quand même tendance à trouver que l'iCord, au niveau de la pointe, c'est pas net. Et de toute façon, celui-là, je vous l'ai dit,
je veux le reprendre, je veux refaire des côtes en bas parce que je trouve qu'il fait chou-fleur et ça me déplaît totalement. Bref, au niveau des patrons qui sont sortis sur Ravelry, j'en ai repéré trois et pas des moindres qui sont absolument magnifiques. Il y a le Lady fait pas ci, fait pas ça, de même les gens, les anges tricotes que j'ai testé, que vous avez suivi ces dernières semaines. Je crois que j'ai mis un peu plus d'un mois à le faire, je sais pas exactement, 5 semaines, 6 semaines, je sais plus. Bref, le petit pull avec les poissons que j'aime énormément et que je vous recommande de faire, qui se tricote en fingering. Par contre, je ne vous le recommande pas si vous êtes grand débutant en jacquard, parce qu'il y a quand même plusieurs rangs avec 3 couleurs, je dirais, je sais pas, peut-être 5-6 rangs, dont des rangs d'augmentation. Donc s'il faut gérer les augmentations plus les 3 couleurs de jacquard, vraiment, si c'est votre tout premier jacquard, choisissez un autre modèle pour vous faire la main, et un modèle en déca. Moi je pense qu'un modèle en déca c'est quand même le plus adapté pour démarrer le jacquard. Mais en tout cas, je l'aime énormément, la version, les couleurs de la version du modèle, c'est canon aussi. J'ai trouvé que le pull Kismet de Rachel Hillsley est absolument magnifique. Là aussi, on est sur un jacquard, mais sur un pull en raglan et pas sur un pull en yoke. Et je le trouve d'une beauté incroyable. Et les couleurs qu'elle a choisies, c'est sublime. Je le trouve absolument sublime, ce pull. Magnifique. Et une autre beauté... Comme toujours, chez Valentina Bogdanova, nous avons le Oda Sweater, qui est un pull d'une beauté incroyable. Alors, Valentina Bogdanova, tout ce qu'elle fait se ressemble, mais rien n'est jamais pareil, et tout est magnifique. Tout est magnifique, et ce pull est d'une beauté incroyable. Avec de la texture absolument partout, il est à manches tombantes, ouais c'est ça, il est sublime. Il est sublime, il est sublime. Et au niveau des vidéos, qu'ai-je regardé ? J'ai regardé le vlog du 7 au 14 avril de Elodie A Knitting Journey. Et comme d'hab, c'était... Attendez, il y a des cheveux qui s'en mêlent dans mes bras là. Ah, que se passe-t-il ? Comme d'hab, c'était hyper chouette. Mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà. C'était hyper chouette, j'aime beaucoup, c'est très très sympa. Et comme je disais à Elodie... dans les commentaires de sa vidéo, elle parlait de la pernelle de chez Natissea et elle demandait si on avait déjà testé. Oula, que se passe-t-il ? Nous sommes dans le brouillard. Voilà, elle demandait si on avait déjà testé et si on avait aimé, pas aimé, si on avait lavé ou quoi. Alors moi je vous l'ai déjà dit, j'ai un avis très différent de tous les gens de la YouTube sphère et de la tricosphère en ce moment. Moi j'ai testé la pernelle il y a 2 ans pour tester le top clémentine de Christelle Nihoul. J'ai regardé, je l'avais tricoté en 3, comme indiqué sur le papier, c'est marqué que la pernelle se tricote, alors c'est une indication en 3, j'avais le bon échantillon pour mon test, et c'est un t-shirt, le t-shirt me plaît énormément, par contre je n'ai pas du tout aimé tricoter le chanvre, ça m'a fait excessivement mal aux mains, et j'entends dire le lin, le chanvre c'est fluide, le chanvre c'est souple, le chanvre c'est léger... Le chanvre, ça tient pas chaud du tout, on a l'impression de ne rien avoir sur soi. Alors, personnellement, mon t-shirt en chanvre, en pernelle donc, je crois que c'est du double XL, il fait 700 grammes. Autant vous dire qu'il est plus lourd que mes pulls. Donc, on le sent bien quand on le met, quoi, c'est un morceau. Et il est tout sauf pas chaud, quoi. Je veux dire, c'est le... Je pense que... Alors, mon t-shirt le plus chaud de ma garde-robe tricot, c'est celui-ci parce qu'il est en laine et il y a du mohair. En deuxième position, c'est l'autre, hein, celui en chanvre. Clairement, il est ni souple, ni léger, et pas spécialement fluide. Alors si, il est un peu fluide, mais il a un beau tombé. Il a vraiment un très beau tombé, mais enfin, franchement, c'est absolument pas vers cette pièce que je me tournerai, que je me tourne l'été. C'est pas possible. Donc je ne sais pas s'il faut tricoter la pernelle en 3,5, en 4, histoire d'avoir un truc fluide, déjaugé. Je ne sais pas, en tout cas, moi mon avis c'est que franchement, c'est pas une fibre supralégère. Hein. Il m'a fallu 700 grammes pour faire le t-shirt, donc 700 grammes c'est énorme, le chanvre est une fibre qui pèse lourd. Et du coup Elodie demandait si on avait lavé ou pas le chanvre avant. Alors moi j'avais commencé mon t-shirt sans laver mes écheveaux et j'avais trop mal aux mains. Donc j'ai passé mes écheveaux en machine à laver à 40, carrément. Et c'était mieux, ça les a assouplis, et c'était mieux, c'était un petit peu moins difficile à tricoter. Voilà, pour le petit aparté sur le chanvre. Ensuite,
J'ai regardé le vlog 39 de Loli Pelote et comme d'hab, c'était très 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 chouette. J'ai pensé à moi. J'ai pensé à moi, Julie, t'as pensé à moi, mais moi aussi j'ai pensé à moi. Quand tu nous as parlé de ta fuite d'eau. Oh, je me suis tellement revue aller faire des relevés de compteurs tous les 4 matins, faire des tas de tests, utiliser l'eau, plus utiliser l'eau, allumer ci, allumer ça, machin. Oh, j'espère que vous avez trouvé d'où ça vient, parce que chez moi, on n'a pas encore de réponse. Hein. Pourquoi y a-t-il un truc qui clignote noir ici? C'est insupportable! Je pense qu'il y a trop de soleil derrière moi, c'est ça que s'il lui plaît pas. Donc voilà, j'ai terriblement pensé à moi. Plein de courage, j'espère que du coup tu vas trouver... que vous allez trouver d'où vient cette fuite. Chez moi, pour l'instant, nouvelle de personne. Et d'ailleurs, j'ai appris, ça, on adore ce genre de truc, que la personne avec qui j'étais en contact au niveau du syndic a démissionné. Mais je n'ai jamais eu d'informations comme quoi mon interlocuteur n'était plus là. Donc son adresse mail, moi j'envoie toujours des mails à cette adresse mail-là qui est nominative. J'ai jamais eu de retour message comme quoi la personne ne travaillait plus là, comme quoi... Franchement, quel manque de professionnalisme, c'est incroyable. Bref. Et j'ai regardé le vlog 8 de Mathilde Tricote. Et c'était vraiment très très chouette. J'aime énormément son soufflet qu'elle tricote. Il est très 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 beau. Et son design de chaussettes Harlequin. Alors je ne sais pas quel est le nom des chaussettes, mais moi elles me font penser au costume de l'Harlequin. Donc je les appelle les chaussettes Harlequin. Voilà. Et elles sont très très belles. C'est très sympa. Et c'est vrai que je pense que quand tu tombes dans le design, à mon avis, t'es vachement vite piqué. Voilà pour les vidéos. Ensuite, Bilan tricot, première chose, ma chaussette, elle a avancé, puisque je l'ai tricotée avec les filles au tricoté, justement, et je l'ai avancée en montant le début de ce vlog, donc elle a bien avancé, je n'ai pas mis de progress keeper pour savoir où j'en étais quand je vous l'ai montré en début de semaine, mais je crois que j'en étais pas bien haut sur la tige, et bien là, il me reste très exactement, je crois, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il me reste 2 rangs avant les côtes. 2 rangs, et je fais les côtes, et cette chaussette sera finie, donc elle sera finie très rapidement, hein. Je vais la continuer là en continuant le montage, je pense qu'elle sera très rapidement finie, et ça sera ma première chaussette de l'année 2023, wouh ! Voilà, voilà, donc toujours la laine de chez Fildar, rien à dire de plus. Le dégradé est sympa, un peu bizarre, vous voyez, là on a eu 2 fois la succession de rose clair, et après pouf, ça passe sur du rose foncé, je trouve ça un peu bizarre d'avoir fait 2 fois la même succession de couleurs. Mais bon, enfin, franchement, elle me déplaise pas, et moi je suis pas du tout une psychorigide de la chaussette identique et tout ça, pas du tout. Ensuite, la pochette Bagou. La pochette Bagou, je vous avais dit que mon objectif de la semaine, c'était de finir la partie en dentelle. C'est un fail, j'ai pas beaucoup tricoté dessus, j'ai tricoté hier soir un peu sur elle, et je n'en suis pas du tout à la fin de la partie extérieure de la pochette, donc de la dentelle. Attendez, qu'est-ce qu'il se passe? J'en suis quand même... Oh, mais c'est pas possible, ça peut venir ou bien ça se passe comment? J'en suis quand même... Là... Je vais vous montrer l'autre côté plutôt, enfin je ne sais même pas quel côté je tricote, l'autre. J'ai donc avancé... Et j'en suis au stade où j'ai séparé du coup les deux côtés de la pochette, puisqu'on va faire des angles coupés, vous savez, sur l'extérieur, donc on tricote en aller-retour. J'en suis là. J'ai l'impression qu'elle n'est pas très haute. Enfin, je ne sais pas combien il y a de rangs encore là-dedans. Mais pour l'instant, bon, ça avance. Hein. Ça avance, j'en suis là. Voilà, tranquillement. Je trouve ça toujours un peu pénible, hein, cette dentelle qui n'est pas en diagramme, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Ça avance tranquillement, et du coup je n'ai pas touché à la partie intérieure, hein, puisque mon objectif c'est d'abord de finir la partie en dentelle, après de faire l'intérieur. Ensuite, au niveau du top Gatsby de Pignanitz, j'ai avancé et on approche dangereusement bientôt de la fin. Alors, je vous avais laissé, je crois bien que j'avais tout juste commencé la dentelle, qui n'est d'ailleurs pas une dentelle, parce que pour moi, la dentelle, ça sous-entend qu'il y a des trous, des jetés. Là, il n'y a aucun jeté, c'est en fait, elle appelle ça un point fantaisie, et c'est clairement ça. On est sur... Alors, c'est un peu long à tricoter, les rangs sont beaucoup plus longs que quand je faisais un rang de ma basque, même s'ils sont plus courts en termes de mailles, en termes de nombre de mailles, parce que, en fait, c'est que... un jeu d'augmentation et de diminution.
des augmentations intercalaires, des diminutions de différentes manières, des augmentations intercalaires, des diminutions. Voilà, c'est continuellement des augmentations, des diminutions, mais le motif est très très beau, puisque vous allez voir où j'en suis là. Oh là là. Ah, voilà. Oula, on est un peu surexposé, les amis. Voilà, c'est très beau, je trouve. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup, et là, bah, je fais encore une répétition du motif, et après je ferai les bonnets, puisque les bonnets, en fait, c'est pas des bonnets, c'est juste la pointe au-dessus des seins, pour finir en débardeur, quoi. Je l'ai essayé, je vous avais dit que ça me paraissait grand, là, vu comme ça, ça me paraît toujours grand. Je vous avais dit, donc, que j'avais tricoté la basque en 3,5, c'est en 3,5 que j'avais le bon échantillon comme pinia, mais ça me paraissait gigantesque. Pour la dentelle, je suis passée en 3,25. Et je l'ai essayé hier soir, bah, à ce stade-là, je ne l'ai pas, j'ai pas tricoté du tout depuis dessus. Et bah, j'aurais pensé que c'était un. Enfin, j'aurais aimé peut-être avec un peu plus d'aisance négative. À cela, j'ai presque l'impression que c'est trop grand. Mais en vérité, j'ai mesuré mon échantillon sur les. Sur le tricot, puisque l'échantillon est fait avec le motif fantasy. Et j'ai un échantillon de 9,5, 9 3 quarts, donc plus petit que mon échantillon en 3,5, logique, puisque je suis en 3,25. Donc, normalement, j'ai une circonférence encore plus petite que ce qui était prévu. Sauf que moi, je trouve que je pourrais encore avoir au moins 5 cm d'aisance négative supplémentaire, voire un peu plus, sur le top. Donc, il va être bien, enfin, sauf si mon fil se détend de ouf au lavage. On croise les doigts parce que c'est un fil contenant du bambou, on ne sait pas. Mais ça va être tout à fait portable, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop grand, il est juste moins d'aisance négative que ce que j'aurais pensé. Ceci dit, si vous le faites, que ce soit... Alors, la version ouverte dans le dos, je ne sais pas, mais cette version-là, je vous conseille de prendre une taille au moins 10 cm, avec 10 cm d'aisance négative, au moins, parce que ce que j'ai pu constater parmi les testeuses, c'est que pour beaucoup... On trouve qu'au final, c'est un peu grand alors qu'on a de l'aisance négative. À mon avis, ce top, il faut le tricoter avec au moins 10-15 cm d'aisance négative. Pour qu'il soit vraiment bien, que le haut épouse bien le corps et que la basque fasse l'effet basque et qu'on soit pas sur un truc gigantesque. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé encore mes aiguilles là pour finir le dernier rang de dentelle. Pour essayer de... Enfin, c'est pas de la dentelle, c'est du point fantasy. Pour essayer que ça soit... encore plus près de mon corps, je suis passée en aiguille 3. Je vais donc faire la dernière répétition du motif en aiguille 3 et le haut des bonnets en aiguille 3, en espérant que bah voilà, ça vienne encore resserrer un peu le tout. Je ferai de toute façon les i-cords en aiguille 3, même peut-être 2,75, parce que je vous ai dit, mon fil étant un fil qui se détend, je veux que les i-cords aient de la tenue, d'autant plus si le top est un peu large, et en plus il est lourd, hein, puisque j'ai rajouté beaucoup de centimètres à la basque. Au niveau de la quantité de fil, je pense que je serai pile poil puisque je viens d'entamer ma dernière pelote, donc j'avais bien vu le truc. Je pense que ça suffira. Voilà, j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne. Alors, en l'essayant, la basque et tout, ça fait bien. Ça fait vraiment bien. Mais je me demande si j'aurais pas aimé... un motif de moins, en fait. Un motif entre deux marqueurs de moins pour que vraiment ça soit... un peu serré au niveau du motif, et qu'après la basque, elle soit plus fluide. Bon, à voir. Ça, c'est un projet qui va être fini aussi assez... j'allais dire relativement vite, non, quand même. Il faut faire le dernier motif de fantasy, plus les deux bonnets, plus les i-cords, c'est pas fini dans la soirée, clairement pas. Mais ça va avancer. Et dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le top dont j'arrive pas à retenir le nom. C'est insupportable. Attendez, il s'appelle Arsinoé. C'est le top Arsinoé que je teste pour Crystal Nihul. Ça va faire une semaine ou deux que le test est commencé, je ne sais pas. J'ai vu qu'il y avait des nanas qui avaient déjà quasiment fini le t-shirt. Il faut que je m'y mette là, absolument. Je vais peut-être attendre d'avoir fini le Gatsby et juste après je m'y mets à fond. J'ai fait l'échantillon. J'ai fait que ça comme tricot aujourd'hui, j'ai fait l'échantillon. J'ai fait l'échantillon, alors tout d'abord en 3,25... et en 3 pour voir ce que ça donne, puisque c'est un échantillon de 28 mailles qu'il faut. Donc voilà, avec mon fil qui est toujours le Tencel Bamboo Fin de Go Handmade que j'ai acheté chez Hobby dans le coloris Vintage Rose.
Mon échantillon là, il est pas déconnant du tout. J'attends de voir ce que ça va donner au lavage. Je vais aller le laver là juste après vous avoir parlé. J'attends de voir si ça va se détendre ou pas. Je sais pas si je préfère le 3,25 ou le 3,5. À vrai dire, les deux, c'est un peu kiff-kiff. J'attends surtout de voir comment il va réagir au lavage et s'il va pas doubler de volume. Non, j'espère qu'il n'y a pas doublé de volume, mais voilà. En tout cas, ça va être un truc bien fluide, mais qui contient quand même majoritairement du bon bout. Donc attention. Attention à pas faire trop d'aisance positive quand vous tricotez un truc en bambou, parce que sachez que fatalement ça va tout de même prendre un peu. Mais j'aime bien cette couleur. J'aime bien cette couleur. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais. Avec mon pif tout rouge là. Que voulez-vous ? Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas pourquoi mon nez est tout rouge comme ça. Les gens doivent croire que je picole, c'est génial. Je crois que c'est tout. J'ai parlé donc de la pochette Bagou, de ma chaussette, de mon top Gatsby. Je n'ai pas touché au châle Every Way. Et je pense que j'ai peut-être essayé de me forcer à ne pas toucher au châle Every Way avant d'avoir fini la dentelle de la pochette Bagou, parce que sinon la pochette Bagou ne va jamais avancer. Et mon top Gatsby, et voilà. Et on est encore très flou, je pense, à cause du soleil qui est derrière. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On a fait le tour de tout. Je vous remercie encore pour vos nombreux messages sous ma vidéo inspiration t-shirt en déca. J'ai encore plein d'autres vidéos inspiration qui vont sortir là, enfin plein d'autres, 3-4 autres qui vont sortir d'ici l'été. Ça vous plaît beaucoup? Moi aussi ça me plaît beaucoup, j'adore flâner sur Ravelry, j'adore chercher des trucs, j'adore vous faire les vidéos. Donc c'est cool, visiblement elle vous a bien plu, je vous remercie pour tous vos messages. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et je vous remercie aussi pour tous ceux qui prennent le temps de me laisser un petit pouce en l'air, ça permet à la vidéo d'être un petit peu mieux référencée sur YouTube. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Visiblement, cet horaire de publication du samedi matin vous plaît bien aussi. Moi aussi, donc c'est très bien. Je trouve qu'il y a trop... il y a des podcasts le vendredi soir, il y a des podcasts le dimanche matin, et quelqu'un m'a dit, c'est vrai, il n'y en a pas assez le samedi. Eh bien voilà, je viens me glisser dans le créneau du samedi. Prenez grand soin de vous, profitez bien, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, puisque là on est à cheval sur toutes les zones de vacances scolaires là. Et bien, je vous remercie d'être resté ici avec moi jusque là, et moi et mon nez rouge, nous vous souhaitons un très bon moment, nous espérons. Bon, alors attendez, comme dans les compagnies aériennes. Moi et mon nez rouge, espérons que vous avez passé un très agréable moment dans notre compagnie aérienne. La température extérieure est de... Bref, allez, j'arrête. Et je m'en vais tricoter sur le Gatsby, je pense. Allez, à la semaine prochaine.